Et c'est toujours un réel plaisir pour moi, aimables téléspectateurs, de vous retrouver à la présentation de cette émission, ce grand rendez-vous des sportifs de tous les week-ends. Et oui, on sera au cœur de l'actualité hebdomadaire, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de choses. Il s'est passé, j'allais dire, beaucoup de choses. Puisqu'on va parler de la Coupe du Monde au Qatar, on va bien évidemment parler du Darin Club Moté Mapembe. On va dire qu'il tient son nouvel entraîneur. Il s'appelle Guy Bokassa, après les limogeages des Barthélémy Ngatsonou et tout son staff technique. On parlera aussi du CHAN Algérie 2022. Le staff Otis ira à la bataille sans contrat. On va en parler sur ce plateau, parce que déjà hier, il faut signaler qu'il y a eu la mise en place d'un staff technique de Léopard U20. Et c'est bien avec les estimés confrères sur ce plateau, Eddy Kankou Kadima, on va dire l'habitué. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le pays en dehors de nos extrémités. Il y a M. Gabriel Ngoy qui nous suit en Afrique du Sud. Il m'a écrit personnellement pour dire que jamais il ne sort sans suivre cette émission. Et si là, il rate cette émission les samedis, donc les dimanches, Gabriel Ngoy est là. Ça, c'est à l'extérieur, c'est en Afrique du Sud. Un fervent téléspectateur, même avant de monter sur ce plateau, il m'a écrit. Seulement, il m'a dit de saluer Mme Arlette. Vous n'êtes pas Mme Arlette, donc je ne vais pas vous saluer. Mais aussi, il y a un... Il y a un colonel à Kisantou, ouais, colonel Makwala. Elle n'est pas comme Denis Kambay, mais le diminutif de Denis Kambay. Denis Kambay a plus de 100 kilos. Ouais. Il est aussi volumineux, mais pas comme Denis Kambay. Denis Kambay, c'est l'éléphant du golf. Colonel Makwala, il est le responsable de la police de circulation routière en Banzangungu. Ouais. Donc si vous allez en Banzangungu, vous trouvez le colonel Makwala, un fidèle téléspectateur de cette émission et un amoureux d'Eddy Kankou. Voilà, un amoureux d'Eddy Kankou, mais aussi un fidèle téléspectateur de cette émission au cœur du sport. Je ne m'excuse pas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne vous voyait pas. On a cru que GD n'était pas au pays. Finalement, vous êtes là. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Christian. Je suis là. Ça m'a manqué ce plateau. Je suis là à Kinshasa. Évidemment, il y a eu des petits problèmes familiaux qu'il fallait résoudre. C'est déjà bon, et voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, ils m'ont tellement manqué aussi. La télévision Télé 54 m'a aussi manqué. Donc, mais quand même, je suis aussi fan de cette émission. Je rate jamais, même si je ne suis pas là à la maison, je suis Eddy Kankou et ses vibrations. Vous n'avez pas de colonel Makwa là? Non, pas du tout. Bon, je vais saluer le colonel, mais bon, voilà, moi, je suis quand même heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, l'autre invité, c'est bien Christopher Tshitamba. L'homme de la FEBACO. Bonjour et bienvenue. Merci. Où en sommes-nous? J'aimerais bien vous accueillir avec cette question. Où en sommes-nous avec les dossiers de la FEBACO? Je vous ai vu un peu très actif dans différents forums pour parler un peu de ces dossiers. Alors, merci à vous, Christian Boukaya. Merci aux amis téléspectateurs de Télé 50, hein, à tous les héros dans l'ombre, les techniciens de Télé 50, grâce à qui on est suivi un peu partout dans le monde. Ouais. Coucou à tout le monde, alors qu'il y a la Coupe du Monde aujourd'hui. Nous, on est sur Télé 50, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Eh bien, le basket et moi, c'est une histoire d'amour qui date depuis tout jeune. J'ai joué au basket, pas dans l'élite, si je peux l'appeler, obligé d'aller faire mes études. Donc, j'ai continué avec les études. Du coup, j'ai servi, je sers le basket autrement. Je suis parmi les gens qui, dans le Katanga et au Congo, ont lancé une émission thématique spécifique basketball en République démocratique du Congo. J'en suis fier aujourd'hui. Ben pour ce qui en est, c'est cette descente aux enfers qui me dérange énormément parce que ça va faire près de 15 ans, 17 ans peut-être que je fais ce métier. Je pense qu'en 17-18 ans, j'ai vu les mêmes acteurs à la tête de la Fédération Congolaise de Basketball, Paix à son âme, Tadi Boniface, qui est parti. Mais aujourd'hui, il se vit une situation pour le moins, je dirais inédite pour rester respectueux. Inédite, mais s'il faut appeler détournement, je ne sais pas si ce serait poli ou vol et peut-être plutôt désigné comme terme. Il s'avère qu'à la Fédération Congolaise de Basketball, aujourd'hui, même l'équipe nationale ne pourra pas prendre part aux prochaines échéances. Parce que, il y a peu, l'AS Vita Club de Lubumbashi ou encore Makomeno chez les dames n'ont pas pris part aux éditions BAL, Basketball Africa League. Pour quelles raisons? C'est justement les moyens qui ne sont pas sortis à temps auprès
de la République démocratique du Congo. Et la fédération a engagé les démarches en retard. Certaines signatures étaient déjà faites par le ministère des Sports, qui est à dédouaner dans ce dossier, il faut le dire, parce que les dossiers sont arrivés quand même en urgence au niveau du ministre de tutelle. Et après, c'est là que les choses ont coincé. C'est là qu'on a demandé 1, 2, 3, 5, 7, 8 papiers. Par moment, il faut aller se poser une question si ça ne suffit pas que le ministère des Sports avalise. Et il s'avère que les équipes n'ont pas participé. Aujourd'hui, il y a le CNSS qui a joué parce que c'était déplacé avec les moyens de la Caisse nationale de sécurité sociale. Avant que CNSS joue pour ce mois de novembre, pour ce mois de décembre, lors de la phase finale du championnat africain des dames, il faudrait que la République démocratique du Congo règle une note. Il faut payer des amendes parce qu'on n'a pas été présent. Or, la nationale, les Léopards, devraient aussi payer avant de jouer la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde parce que, bon, enfin, on était mal barré sur la dernière fenêtre, la troisième. Il s'avère seulement qu'il y a une difficulté. C'est qu'en basketball, il y a ce qu'on appelle un système MAP. C'est le système dans lequel on enregistre des athlètes qui viennent d'autres fédérations. Même des Congolais qui ont joué au Rwanda, au Burundi, un peu partout, quand ils doivent revenir jouer en République démocratique du Congo pour le système de renfort, bien naturellement, ils doivent être enregistrés dans ce système-là. Mais seulement, il y a une magouille à la FIBACO, puisque, ayant vérifié au niveau de la FIBA, les athlètes n'ont jamais été enregistrés. Ceux qui ont pris part à la récente Coupe du Congo, implication, Terreur a eu des joueurs, Vita a eu des joueurs venus d'ailleurs. Chez les dames, Makomeno a eu une Gabonaise qui a même été félicitée d'avoir joué une finale par sa nation. Ça veut dire que ces joueurs-là ont joué avec l'aval de la fédération sans avoir été dûment enregistrés sur le système de la MAP. Et ça fait qu'il y a des fonds qui ont été dépensés. Par athlète, il faut à peu près 361 $. Dans les 361 $, il y a une centaine de dollars qu'il faut donner à la FIBACO. On fait un total sur 17-18 athlètes, on a 20 quelques mille de dollars qui ont disparu alors que les équipes. La chose ressort quand V-Club doit aller jouer et commence à préparer ses dossiers administratifs. On se rend compte que V-Club n'a enregistré aucun athlète. V-Club de Lubumbashi qui était déjà ici. Et il fallait mettre la pression sur les administratifs de la FIBACO pour aller là-bas. Résultat, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un peu pointée du doigt comme tricheuse, entre guillemets, parce qu'il faut se tenir bien. Il y a même des preuves de paiement de la FIBA envoyées à la FIBACO, alors que la FIBA elle-même n'a aucune trace d'un franc de la République démocratique du Congo. C'était important d'avoir tous ces détails, mais on reviendra, on va vraiment organiser un plateau pour vous parler de cela, puisqu'autrefois, cette fédération pleurnichait aussi beaucoup, comme quoi on ne venait pas à sa rescousse. Mais finalement, on comprend aussi qu'administrativement, les choses ne sont pas très bien organisées. Mais si on va parler football avec la Coupe du Monde, qui poursuit, on va dire, qui continue son bon nombre de chemins au Qatar, on va s'atteler sur les équipes africaines, puisque hier, il y a eu le Sénégal qui a enregistré la toute première victoire pour l'Afrique. Mais on va parler un peu de toutes ces sélections africaines en général, Gédéluz Kouppa, jusqu'où on peut attendre les pays africains au regard déjà de leurs prestations lors de la première journée? Nulle part. Je ne suis pas optimiste pour la qualification des équipes africaines. Déjà, parce que lorsque je vois des matchs des pays africains engagés dans cette Coupe du Monde, je me demande si en 2022, on peut toujours continuer à chercher à gagner. Si gagner, c'est encore trop dur à marquer, ne serait-ce qu'un but dans une Coupe du Monde. Je pense que c'est quand même triste de constater que l'Afrique, avec tout ce qu'il y a comme joueurs, tout ce qu'il y a comme stars, tout ce qu'il y a comme prestige autour de notre football, on n'arrive toujours pas à avoir le niveau, en tout cas, adéquat pour rivaliser avec d'autres nations. On a vu les nations asiatiques qui ont en tout cas fait la sensation. Vous avez le Japon, vous avez l'Iran. Voilà, le Japon a battu l'Allemagne. Vous avez l'Arabie Saoudite. A battu l'Argentine de Lionel Messi. Et voilà, et même l'Iran a gagné. Donc, ça pose problème pour les Africains de gagner. Déjà, ça, c'est compliqué. On a regardé le première journée, on peut dire comme ça. Ils ont été décevants. Moi, je ne suis pas très, en tout cas, optimiste pour la qualification. Peut-être le Maroc peut faire quelque chose. Ouais. Mais dans un groupe un peu compliqué, il y a le Canada qui a en tout cas malmené la Belgique, qui était présenté comme favori de ce groupe. Après, il y a aussi la Belgique. Donc, l'une des meilleures nations du monde. Est-ce que le Maroc saura gagner une des deux nations? C'est la question qu'on doit se poser.
Et les autres, en tout cas, c'est une déception. On a vu hier le Sénégal, malgré la victoire, mais ils auraient dû faire un bon match lors de la première journée contre les Pays-Bas. Maintenant, ils vont regretter peut-être ces matchs-là parce que les Pays-Bas et l'autre pays, et l'Équateur, ont 4 points. Donc, 4 points. Le Sénégal doit absolument gagner. Le mardi. Voilà. Le Sénégal doit absolument gagner le dernier match pour se qualifier. Est-ce que ce sera le cas? Je ne pense pas. Je ne suis pas, en tout cas, optimiste sur ce point-là parce que j'ai vu les niveaux. Je ne suis pas, en tout cas, enthousiasmé par. Parce que les Africains proposent, c'est quand même regrettable parce que je me disais quand même cette fois-ci on pourra faire quelque chose de meilleur, mais ce sont le même problème chaque année, les Cameroun, le même problème, le Ghana qui a perdu contre le Portugal. Oui, ils ont marqué, mais ils se sont réveillés tard. Ils pensaient peut-être qu'ils ont trop respecté le Portugal finalement et ce sera compliqué. Là, on peut peut-être dire que le Portugal a tenu son rang. Ben, le Portugal a des joueurs de haut niveau, on peut comprendre. Mais Eddy Kanku Kadma, apparemment, le pays africain, s'il faut regarder la première journée, ont le même problème. Ça veut dire qu'ils jouent bien, mais ils n'arrivent pas en tout cas à capitaliser leur chance pour prendre des points. Contrairement à ce que pense Gédélus Koupa, moi je suis satisfait de la participation jusque-là des pays africains cette Coupe du Monde Qatar 2022. Ce n'est pas une participation ridicule où les équipes ne savent pas se tenir sur le terrain. J'ai vu sur les 5 équipes, nous avons 2 matchs nuls, une victoire après la deuxième journée de défaite. Et sur le terrain, les Hollandais ont eu du mal à battre un pays africain. Ils ont marqué par expérience. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une marge de progression que de régression. L'Afrique a progressé. Avant, c'était la participation tout court. Le principe de Pierre de Coubertin existait encore. L'essentiel pour l'Afrique, c'était de participer. Bon, aujourd'hui, s'il faut parler dans l'ensemble des pays africains, la dernière bonne participation d'un pays, c'était le Ghana, si je ne me trompe pas. Le Ghana en 2010. Le Ghana qui est à un doigt, on va dire, à un pas de demi-finale. Ouais. Et le Sénégal de Fadiga, de Diouf, de Camara et les autres. En 2002. En 2002, ouais. Corée et Japon, ouais. Ils ont organisé concomitamment une Coupe du Monde qui s'est jouée à 6 heures. Je me rappelle le match du Sénégal. Nous étions obligés de fouiller les coups parce que le match c'était à 8 heures. Ouais. Mais Eddy Kanku, s'il faut rejoindre Gédélus Koupa, la bonne progression pour les pays africains, comme vous êtes en train de le dire, sera peut-être de gagner comme les pays asiatiques. La bonne progression des pays africains, c'est que sur le terrain, n'est pas nul. Ce n'est pas que les Hollandais ont malmené les Africains. Ça ne suffit pas. C'est déjà une part. Dans l'ensemble de la participation, lors de la première journée, les nations africaines n'ont pas été nulles dans les dispositifs sur le terrain. Il a fallu puiser dans l'expérience pour battre les pays africains et le Maroc qui est passé à côté d'une victoire. Donc, je pense que c'est déjà une bonne participation. Il y a la participation d'un côté. Et de l'autre, c'est une déception parce que les équipes ou encore les nations africaines ne savent pas gérer une rencontre. C'est les défauts des Africains. Ils ne savent pas profiter de leurs moments forts et ils ne savent pas gérer les moments faibles. Amener une rencontre jusqu'à la fin, c'est difficile pour les nations africaines. J'aimerais encore que Gédélus Koupa puisse interpeller au lieu de regretter parce que la participation, pour moi, elle est meilleure. C'est une bonne participation parce qu'aujourd'hui, on est fiers de dire que le Maroc peut jouer telle équipe. On est fiers de dire que le Sénégal peut jouer telle équipe. Peut rivaliser peut-être à l'Équateur, peut rivaliser exactement, à telle équipe. Exactement, mais seulement, nous devons maintenant conseiller aux nations africaines de profiter des moments forts et de pouvoir gérer les moments faibles. Mais aussi un élément important, toutes les nations africaines conduites par les nationaux. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Ça, c'est un élément de taille. Ça, c'est le point positif. Ça, c'est un élément de taille. Ça nous renvoie à dire que nous devons favoriser la main-d'œuvre congolaise. Je suis opposé littéralement à la politique du tout-puissant Mazembe, mais je salue du côté de Mazembe où on favorise la main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, Kasso Ngandou est entraîneur, Pamphile Miaou est entraîneur, Kikilia Bamouteba est un entraîneur. Ouais. Ça, c'est déjà un point positif dans une équipe. Et voilà où vous avez la possibilité de transformer des talents. Après avoir servi l'équipe comme joueur, vous pouvez servir comme entraîneur. Et si le leader a la capacité de cette transformation, c'est un élément très positif. Et l'Afrique doit capitaliser avec la montée. Hier, c'était Florent Ibenge Kwange, à San Cheta,
aujourd'hui, c'est Cissé et les autres. Mais avant que je ne donne la parole à Christopher Tshitamba, si vous dites vraiment que l'Afrique ou la RDC en particulier doit privilégier la main-d'œuvre locale, Sébastien Desabre est déjà à la tête de l'équipe nationale de la RDC avec un projet aussi séduisant. Donc il faudrait. Bon, il y a une église qui disait à Kinshasa ici que mon cas est particulier. Ah. Le cas de la RDC était particulier. Où, après avoir fait confiance, plutôt après avoir travaillé avec les nationaux, qui ont les péripéties nous ont amené là où nous étions, ouais. Il fallait passer l'éponge, passer les vents avec une main-d'œuvre extérieure pour requalifier. Parce qu'il pose aussi un problème de la qualification. Ouais. Il se pose un problème de l'aura, le charisme. Vous comprenez? Parce que pour prendre une équipe, nous allons parler de Guy Boukassa qui bien va prendre dans le compte de ma PMB. Ouais. Est-ce qu'il a les cas? Bien évidemment, on en parle. Est-ce qu'il a les temps? Je prends Christopher Tshitamba par rapport à cette Coupe du Monde, mais on a vu, s'il faut vraiment regarder toutes ces sélections africaines qualifiées, ce sont apparemment le joueur qui évolue en Europe. Quelque part, ces pays africains ou ces joueurs africains sont un peu animés par cet esprit de. En fait, c'est complexe. D'infériorité. Si vous regardez par exemple le Maroc a plus de 5 joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Si vous prenez le Sénégal, l'ossature du Sénégal déjà, mais pourquoi ce joueur n'arrive pas à profiter ou à faire jouer leur talent pour voilà redorer un peu ce blason terni du football africain? Je rappelle simplement que bien que maghrébin, français d'origine maghrébine, ouais. L'actuel ballon d'or est africain. Bah. Karim Benzema, c'est ses origines. Ouais. Et Sadio Mané, je rappelle qu'en deuxième position, ouais. C'est Sadio Mané, ouais. Ça reste un Africain parce que Lyon de la Teranga, il a gagné et c'est lui qui a manqué à cette équipe sénégalaise. Aujourd'hui, à travers le monde, quand on fait des analyses et on vous dit que dans telle équipe comme le Sénégal, il manque Sadio Mané, il manque l'aura de Sadio Mané quelque part, ça connote de l'importance que ces joueurs, de l'aura aujourd'hui, quand les joueurs africains de plus en plus sur la scène européenne. La majeure partie de ces joueurs jouent en Europe. Allez-y voir avec le Sénégal, parce que c'est le champion d'Afrique en titre. C'est des joueurs qui jouent en première division anglaise. Il y en a qui sont en Italie, il y en a qui sont en Bundesliga. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont habitués à côtoyer ceux qu'ils ont aujourd'hui comme adversaires. Mais moi, je pense aussi que le problème réside plus sur l'aspect organisationnel en général. C'est là que ça se passe. Parce que c'est par moments difficilement compréhensible que ces joueurs, quand ils se côtoient, les nôtres, les Africains, entre guillemets, semblent plus résistants, semblent plus coriaces dans les championnats, dans les clubs, alors que quand ils se retrouvent tous ensemble, on a l'impression que ça devient un poids. Que ce qui, hier, dans leurs équipes respectives, était un avantage, devient aujourd'hui un poids pour les équipes nationales. Je pense que, in globo, l'Afrique fait une super belle prestation. Sur les dernières années, on a été plutôt attentiste. Cette fois, on compte avec, aujourd'hui, quand vous suivez les analyses en dehors du pays, en dehors du continent africain, vous vous rendrez compte que perdre des matchs, par exemple, pour le Sénégal face à l'équipe hollandaise, ouais. Relevait d'une surprise un petit peu. Pour certains, ils se disent le Sénégal a tenu. On va dire le Sénégal a dominé, à mon avis, littéralement. 50-50 quand même. Hein. 50-50, ils ont eu une belle période lors des 45 premières minutes. Ouais. La seconde, ça a été moyen. Mais il y a un problème de management aussi humain qui joue quand ces stratégies, des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, le continent africain est plutôt bien parti. C'est le Sénégal le premier à donner le temps. Ouais. Il avait perdu. C'est le Sénégal qui donne le premier le temps avec une victoire. On espère que dans la chaîne, ça va pouvoir venir. Mais regardez les adversaires en face. Dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas petit. Si aujourd'hui l'Arabie Saoudite, qui comme la République démocratique du Congo, avait écopé l'un des scores les plus lourds dans l'histoire de la Coupe du Monde, ils en étaient à 8, nous on est à 9 jusque-là, imbattable toujours. Mais dans le mauvais sens. Donc du coup... c'est 9 contre Yougoslavie. Ben voilà, l'Arabie Saoudite en avait encaissé 8. Ils arrivent à battre Lionel Messi sur le terrain. Écoutez, c'est pas n'importe qui. Ça reste Lionel Messi. Regardez qui joue à côté dans l'Albi Céleste, qui est là. C'est des joueurs de calibre. Qui connaît les joueurs de l'Arabie Saoudite? Mais aujourd'hui, on loue l'Arabie Saoudite. On ne voit pas c'est qui le fer de lance de l'Arabie Saoudite. C'est Hervé Renard. C'est un entraîneur qui a eu une belle expérience africaine. Je crois qu'il a gagné une CAN avec la Côte d'Ivoire. Ouais, et la Zambie aussi. Ouais. Ça veut dire que sur le continent, il a fait un bon travail. Il est parti, il a exporté son travail. Cette expertise-là devrait être capitalisée chez les éléphants. Elle devrait être capitalisée chez les Chipolo Polo Boys. Je pense aujourd'hui, en ce qui concerne la prestation africaine, personnellement, je ne suis pas déçu. Je pense que je suis l'un de ceux qui sont très contents.
de voir l'Afrique à ce niveau. Et je sais que à la longue, à venir, le continent africain va faire de grosses prestations. On aura le temps, on aura le temps en tout cas de parler de cette Coupe du Monde puisqu'elle continue. Ça ira jusqu'au 18 décembre 2020. 2022, excusez. Alors, nous allons prendre très vite le programme de ce samedi. Jocelyn Toumba, très vite sur ce tableau, parce qu'il y a un pays africain qui va jouer déjà ce samedi. Il y a la Tunisie qui affrontera l'Australie. Voilà, la Pologne sera face à l'Arabie Saoudite. La France matchera le Danemark. Et puis, l'autre match de ce samedi mettra aux prises l'Argentine au Mexique. Et puis, demain, comme on peut bien voir sur l'autre tableau pour les combinaisons de ces dimanches, il faut signaler que la formation japonaise sera bien sûr opposée au Costa Rica. La Belgique matchera le Maroc. La Croatie, Canada, Espagne, Allemagne. Voilà ce qui était de la Coupe du Monde. Venons-en à l'actualité sur le plan national. Et on commence bien sûr avec le championnat d'Afrique des Nations avec le staff Otis Ngoma. Voilà qui devra, en tout cas, on ne sait pas trop si la situation va s'améliorer à un mois du championnat d'Afrique des Nations, puisque jusque-là, ce staff technique n'a pas de contrat. J'ai des Luskoupa. Est-ce qu'il aura d'abord le moral au Zénith pour conduire l'équipe nationale à cette grande bataille? Bah oui, il a intérêt à avoir le moral, puisqu'il y a déjà dans l'histoire de l'équipe locale, jamais un entraîneur ou un sélectionneur de l'équipe locale a eu un contrat. Ça n'a jamais existé. Santos Mutibi n'avait jamais eu de contrat avec l'État congolais, et encore moins Florent Ibenge ou encore Mouni Zaïra. De bons exemples, selon vous? Non, c'est pas un bon exemple, mais j'ai dit qu'il devrait avoir le moral parce que les autres n'ont pas eu des contrats, ils ont quand même gagné des coupes. Donc il doit se concentrer d'abord. Non, il doit d'abord se concentrer à la phase finale qui arrive dans très vite. Donc le contrat, s'il faut commencer par l'argent, parce que je connais les Congolais, c'est lorsqu'on commence à parler prime, contrat, argent, rien ne marche. Lorsqu'on l'État n'est pas là, tout marche bien jusqu'à ce que l'État vienne et tout. Qu'il gâche tout finalement. Donc je pense qu'Otis Ngoma a intérêt à d'abord se concentrer, et son équipe, son staff technique, à jouer d'abord les chans, parce qu'on est parmi les pays favoris dans cette compétition, on doit se le dire ouvertement, et on a la possibilité aussi de faire un très bon chan, vu qu'on a qualifié 4 équipes aux interclubs de la CAF. Donc ça veut dire que les yeux seront rivés sur nous, sûrement, parce qu'on est parmi les meilleures performances jusque là. Après, il faut que l'État congolais fasse quelque chose pour Otis Ngoma, je le pense, en tout cas parce qu'il mérite. Il ne faut toujours pas voir les sélectionneurs de l'équipe première signer de contrat, surtout les expatriés, avec beaucoup de sommes. Finalement, on a vu comment Hector Cooper nous a escroqué. Et finalement, il n'a rien produit. Il a eu beaucoup d'argent. Finalement, il est réparti. De Sabre est venu avec un projet. Il est payé chaque mois. Mais pourquoi ne pas signer aussi un contrat avec l'équipe, les staffs de l'équipe locale? Je pense qu'ils ont aussi droit de toucher à quelque chose de la part de l'État congolais. Sauf que, quelque part, on le sait, la chaîne des dépenses, ou bien tout ce qui se passe autour de l'argent et le ministère des Finances, c'est pas toujours évident. Lorsqu'on parle du sport, on a constaté que depuis un moment, le ministère des Finances bloque beaucoup, beaucoup de choses dans le sport. En tout cas, s'il faut débourser l'argent pour telle discipline ou telle autre, ça pose toujours problème. L'équipe U23 a risqué même le crash à cause de tout ça. L'argent est sorti en retard. Donc, il faut au moins que cette fois-ci, l'État prenne aussi ses responsabilités, se faire signer Otis Ngoma, ses staffs, même pour un contrat de 2 ans maximum, ou bien une année, je ne sais pas. Entre-temps, on regarde comment ils vont jouer les chants, s'ils vont performer, ils peuvent continuer. Bon, ça dépendra des contrats qu'il aura avec l'État congolais et la fédération. Mais donc voilà, moi je suis optimiste pour l'équipe du Chan. D'abord, je suis sûr qu'ils peuvent faire quelque chose lors de la phase finale. Et après, s'il faut parler argent, je ne veux pas vraiment qu'on parle argent en ce moment, même si Mais vous ne voulez pas qu'on parle argent, mais voilà, le monsieur et tout son staff se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils auront des primes, ils ont toujours des primes. Mais ils n'ont pas de primes. Je prends Christopher Tshitama, depuis qu'ils sont là, ils ont déjà, lors du stage de Brazzaville, ils n'ont pas reçu de primes. Lors de la double confrontation contre le Tchad, ils n'ont pas reçu de primes. Ils continuent en tout cas à fonctionner comme ça. Ils ont les 2 stages annulés, le stage de la Turquie et celui du Congo Brazzaville. Déjà que ces staffs s'est dit, ben, peut-être on ne nous considère pas comme les expatriés, comme venait de dire j'ai des luxes ou pas, puisqu'on a vu quand Des Sabres est arrivé seulement pour le stage du Maroc, Des Sabres a perçu tous ses frais. Quelque part, il y a un peu cette politique de 2 poids, 2 mesures. Je peux parler de néocolonialisme parce que ça va impliquer aussi un complexe d'infériorité. Mais je pense que cette manière de faire des choses doit changer, en fait. Cette manière de faire les choses doit changer parce qu'on handicape aujourd'hui des jeunes.
La République démocratique du Congo, c'est quoi? 60-70% des jeunes congolais qui sont impliqués pour la majeure partie dans les sports. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'aujourd'hui, les choses étant verrouillées par certains politiciens vers eux, il faut qu'on se dise les choses en face, certains n'ont que le sport comme moyen pour s'en sortir. Vous allez voir dans les quartiers reculés, dans des coins où il y avait des terrains, ça jouait à longueur des journées. On pouvait commencer, vous irez à Selembao sur un terrain où vous verrez que les jeunes vont se réunir de 7h à 18h. Il faut qu'il fasse sombre pour qu'ils arrêtent de jouer. Certains n'ont que ça comme seul moyen de sortir leur famille de la famine, de leur donner un temps soit peu une façon de vivre. Et pour ça, quand ils travaillent, ils arrivent jusque à être sélectionnés dans l'équipe nationale à prime. C'est aujourd'hui la nationale qui a la plus grande histoire en République démocratique du Congo. Elle a gagné les deux derniers championnats africains. Bon, enfin, le Zaïre à l'époque a gagné aussi deux titres, mais depuis lors, on n'a pas mis pied en Coupe du Monde. Au moins, on est présent. Au moins, cette catégorie-là, elle est là. Au moins, on est là. Mais je ne comprends pas cette politique où, quand les A, ils arrivent facilement, des sabres arrivent, et c'est séance tenante qu'on a appris qu'il a demandé sur le champ pour dire non, 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 je n'aimerais pas être qu'entraîneur, j'aimerais être aussi manager-entraîneur. C'est séance tenante qu'on change une ligne du contrat. Où il va finir par paraffer. Il faut que ce soit au Zaïre, enfin, en République démocratique du Congo, des choses comme ça se passent. Après, vous allez prendre Otis Ngoma, ça c'est un manque de considération totale. Et Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est bien de mettre la main d'œuvre locale en avant. Vous allez voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a un entraîneur qui a consenti les sacrifices qu'avait consenti Florent Ibenge en étant à la tête des Léopards de la République démocratique du Congo? Combien de mois il a été impayé? Certes, après on est venu payer, mais il a pris cher, il a accepté. Il y a ce patriotisme, il y a cet amour-là qu'il y a. C'est des choses qu'on doit pouvoir faire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une nation comme la République démocratique du Congo, généralement comparable à l'industrie sportive du Brésil, parce que des talents, il y en a, rassurez-vous qu'il y en a plein, ici en République démocratique du Congo, c'est l'encadrement qui pose problème, est-ce qu'il faut aujourd'hui que l'on parle d'un contrat qu'il faut qu'on donne? Et encore, c'est d'une aberration de voir que le ministère des Sports, qui est censé, dans tous les ministères, connaître la situation, prend, signe des documents. Bon, bah, ça arrive chez Monsieur Finance. Ça arrive chez Monsieur Finance, ouais. Parce que ça ne lui plaît pas. Il n'y a pas de raison. Puisqu'en ayant vérifié, il n'y a pas de raison. On va trouver des idées derrière, mais il n'y a pas de raison. Les handballeuses sont sortis d'une Coupe d'Afrique des Nations, sans une prime, sans un franc. Les basketteuses partent sans une prime, sans un franc. Mais écoutez, toutes les autres disciplines, qui touchent plus de 1000 euros, qui touchent plus de 1000 euros de frais, qui touchent plus de 1000 euros de prime. C'est 10 000 dollars, c'est 15 000 dollars pour les Léopards A. Même les après, ils n'ont rien. Les basketteuses, ils ont quoi? Elles ont quoi? Ou les basketteurs? 600. Le handball, c'est quoi? C'est à la même hauteur. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, ceux qu'on ne regarde pas font des résultats? Il y a peu, c'est les arts martiaux qui ont honoré la République démocratique du Congo. On redore le blason aussi par le biais des sports. Sinon, des nations comme les Russes n'auront pas choisi à une période donnée d'envoyer des militaires pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est inscrit dans le système éducatif, mais après, il s'agit de l'honneur de toute une nation. Ouais. Quand on en suspend pour dopage, certaines nations prennent des décisions fortes, mais il n'y a que la République démocratique du Congo aujourd'hui qui peut faire signer un contrat. Est-ce que nous, journalistes, il faut que l'on vienne dire qu'il faut faire signer un contrat à Otis Ngoma? C'est de la honte. C'est de la honte. Je préfère aussi emprunter vos mots, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est dans un pays, on va dire un pays très exigeant, parce que maintenant, personne ne se soucie de ces staffs techniques, de cette équipe du CHAN, mais on sera très exigeant envers eux lors de la compétition. Il dit qu'en Kokadima, Serge Conde apparemment a fait son travail, mais ça bloque au niveau du budget. Bon, je pense que Otis Ngoma aura son contrat. Ça, il faut garantir la population. D'après mes informations, le ministère des Sports est en train de travailler pour que Otis Ngoma puisse avoir le contrat. Et je vous informe que Otis Ngoma aura la même formule que des sabres. Donc, c'est-à-dire, c'est Otis qui signe avec le gouvernement congolais et c'est lui qui va s'occuper de ses adjoints. Donc, on a pensé à tout le monde. Otis Ngoma aura un contrat incessamment. Attendez un peu. Donc, avec l'État congolais. Lui, il signe pour s'occuper de ses agents. Ça va se passer comment? Évidemment, c'est ce que des sabres font. Ça se passe comme ça. Ce sont des types de contrats. Même celui qui est parti, Cooper. Ce sont des types de contrats.
Sur mon passage, est tellement insignifiant que dit qu'il y a une bibliothèque semble l'oublier. Pardon? Je dis le passage de Cooper était tellement insignifiant que vous qui êtes une bibliothèque semblait l'oublier alors que non, il n'y a pas longtemps. Il y a plusieurs noms qui se bousculent dans la tête. Je pense que ce sont des types de contrats, ce n'est pas un péché. Ça dépend de la manière dont vous êtes convenu. La loi dit que les conventions légalement formées entre parties fait force des lois. Donc si les deux parties se conviennent, que moi je signe et je prends soin de mes adjoints. Et c'était le cas des coupeurs, des sabres. Et l'État veut aller dans la même formule avec Otis Ngoma. Donc le contrat est déjà sur... J'espère qu'il dit qu'il ne va pas signer pour 20 000 francs. Et puis après, dès qu'il reçoit les 20 000, il doit regarder chacun de ses adjoints dans ces 20 000 pour leur donner 2 000, 3 000, 4 000 francs. C'est le problème. Non, le montant est... Je ne voulais pas encore dévoiler le montant. Non, je ne parle pas de montant, je parle plutôt du système. C'est pour ça que j'ai dit symbolique. Non, mais on ne laisse pas le carnet des chèques à l'entraîneur seul. Non, c'est en connivence. On vous donne autant, vous allez toucher autant et à vos adjoints autant. Et c'est vérifiable, on est au Congo. Donc ce n'est pas qu'on laisse tout à la merci de l'entraîneur. C'est lui qui décide sur quoi il faut donner à ses adjoints, non. C'est les patrons du staff, c'est lui, même les primes, même les salaires, c'est connu. Mais on dit, mais on sait que chacun touche dans les 20 000 francs, tel doit 20 000, 5, 3, 4 000. J'ai encore les montants, mais comme ce n'est pas encore officiel, je n'aimerais pas dévoiler le montant sur ce plateau. Voilà. Et ça risque de descendre, de monter, parce que dans les négociations, tout peut arriver. Mmh. Mais le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est pas le ministère des Sports qui doit monter un cahier des charges pour envoyer. Le problème, c'est le ministère des Finances aujourd'hui. Monsieur les Finances, quand je vois des sorties médiatiques du ministre des Finances, Monsieur Nicolas Kazadi, je me pose tant de questions. Il est tout le temps en train d'incriminer le sport. Pour aller aux états généraux du sport, il a bloqué plus d'une fois les décaissements de fonds. Et toujours avec le sport, pour jouer le Maroc, c'est un problème. L'argent est sorti à la veille. Et toutes les disciplines, tu te venais de le souligner tout à l'heure, c'est n'est que le sport qui touche et avec mille et une difficultés. Parce que c'est un dossier qui touche la République. Monsieur Nicolas Kazadi estime que le dossier venant du ministère des Sports arrive avec des éléments incomplets. Et surtout que le business du ministère des Finances paye. Ce n'est pas le ministère des Finances qui commence par traiter les dossiers. Ça commence par les budgets et que le ministère des Finances est pour les décaissements. Et comment est-ce qu'un ministre qui ne voit que les dossiers des décaissements pense que le dossier arrive incomplet? Or, ce n'est pas lui qui commence le traitement d'un dossier. Les dossiers quittent d'abord les fédérations, les ministères. Les ministères accompagnent les dossiers venant des fédérations au niveau du ministère du budget avant son décaissement. Donc je pense que c'est une supercherie. Mais j'aurais appris que les fonds alloués au sport seraient terminés, seraient déjà utilisés. C'est une honte pour notre République. Cette modique somme que j'évite de citer sur ce plateau est allouée au sport. C'est une honte. Quel est ce gouvernement? Quel est ce ministère qui respecte la ligne budgétaire en RDC? Quel est ce ministère? En partant de la présidence, il y a des dépassements. En partant de la présidence. Il y a un dépassement total. Aligné, tu as dit que les déplacements budgétaires n'est pas une infraction. C'est une faute de gestion, mais pas une infraction, qui peut être recadrée par le Conseil de l'Institution Générale des Finances. Je pense que le ministre des Finances doit avoir soit un problème avec le football, et non, avec le sport, soit avec la personne qui dirige le sport. Ça, c'est ma lecture. Parce qu'à chaque dossier de sportif, M. Nicolas Kazadi bloque. Maintenant, comme les dossiers arrivent à temps, avec tous les éléments, il cherche une autre explication pour dire que les dossiers arrivent incomplets. Avant, il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, ça arrive incomplet. Non, mais il faut vous compléter. Il faut maintenant les comptes bancaires pour verser de l'argent immédiatement dans les comptes des athlètes. Ouais. Je ne refuse pas. Non, mais allez-y comprendre. Il va envoyer l'argent dans les comptes bancaires parce que l'argent sort à quel moment? C'est ça. Si on s'en tient à l'argent de la République, nos équipes seront tous éliminées. Nos équipes sont tous éliminées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des fédérations qui ont engagé des dépenses qui n'ont pas engagé la FEBACO. Non seulement la FEBACO, les stages des Léopards au Congo-Brazzaville, Léopards a pris, qui vont jouer le Chad. Ouais. Les dossiers se trouvent sur la table de M. Nicolas Kazadi. Avec tous les documents, là, il ne libère pas. Il cherche des dossiers qui manque de documents que lui n'a pas traité pour dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je pose cette question à Gédémus Koupa, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un ministre comme ça qui peut prendre ses dossiers à bras le corps au Conseil des ministres et hausser les tons, parce que c'est le ministre des Sports qui devrait faire du pays, mais au-delà du ministre des Sports,
il y a des ministres qui sont d'abord congolais. Et quand on parle de sport, ça concerne. Et c'est fait souillamment par monsieur le ministre. Le problème, c'est que les sports, on dirait, ne sont pas la priorité. C'est pas on dirait, ils ne sont pas la priorité dans notre pays. On ne comprend pas l'importance des sports dans notre pays. Non, au-delà de ne pas être priorité, ou celui qui gère l'argent de la République estime que soit le sport, soit le ministère n'a pas sa raison d'être. Justement. Au-delà d'être, hein, justement. Au-delà de savoir que la somme réservée au sport n'est pas ici. Mais pourquoi justement, les sportifs ne osent pas les temps, genre les athlètes, avoir de masse, faire justement, pression justement, parce qu'à chaque fois qu'il y a un dossier à traiter, il faut de l'argent, ça et là, les gens ne regardent que le ministère des sports. Voilà. Ils s'arrêtent là. Pour eux, c'est le ministère des sports qui a l'argent dans ses poches, je ne sais pas comment, c'est le ministère des sports qui va donner de l'argent. Alors que tout le monde connaît, il y a une chaîne de dépenses très, très bien identifiée. Et les sportifs ne font rien, absolument rien. Lorsque vous allez perdre ou être éliminé, commencez à incriminer les ministères des sports et les fédérations. Alors qu'il y a une suite logique. Moi, je me dis carrément qu'il y a un problème sérieux dans le pays, puisqu'on ne sait pas valoriser nos sports. Il y a un budget, un petit budget d'abord pour le sport, contrairement à d'autres ministères, qui, à chaque fois, il est difficile d'allouer ça aux fédérations. Je me pose la question à chaque conseil des ministres. Parce que nous avons vu cette année, en tout cas, le ministre des Sports, Serge Kondé, a fait valider plusieurs projets dans le conseil des ministres plusieurs fois. Mais lorsqu'il s'agit de la faisabilité, ouais, du décaissement, ça pose toujours problème. Le problème des stades, il fallait réhabiliter les stades, ça et là, partout dans le pays. Ouais. Jusque-là, ces dossiers, je ne sais pas, est sous-classé, je ne sais même plus où on en sommes. Et voilà, même les Jeux congolais devraient avoir lieu au mois de juillet dernier jusqu'à présent. Toujours des problèmes d'argent. Je ne sais pas s'ils pensent que les sports n'ont aucune utilité, alors que les sports, dans ces pays, tout le monde aime les sports, lorsqu'il y a nos équipes nationales dans différentes disciplines. Les politiciens s'appuient sur le sport pour se faire élire. Voilà. Après, ils viennent à faire des campagnes derrière les sports, tout ça, derrière les sportifs. Ouais. Mais pour décaisser de l'argent, ça pose problème. C'est injuste. Moi, je pense que les sportifs doivent s'élever comme un seul homme. Avant qu'on ne passe à la dernière thématique, je voudrais bien vous poser cette question. Quelque part, s'il faut revenir sur ce que Eddy Kankou disait tout à l'heure, c'est que M. Kazadife, voilà, il ne serait en train de négliger ou de mettre à côté le vouloir du président de la République qui veut voir le sport revêtir sa plus belle robe d'antan, le sport congolais, bien sûr, puisque c'est lui, bien sûr, qui a initié les états généraux, mais quand ça bloque au niveau des finances, c'est très compliqué. Je voudrais être très correct. Serait, est-ce que ce verbe est à sa place? Est-ce que ce temps, en fait, est à sa place? Quand je regarde que les basketteurs n'ont pas voyagé, quand je regarde que les judokas ne sont pas partis, quand je regarde qu'on a signé un petit budget pour les lutteurs, quand je regarde que sur les 12 fédérations, sur les 75, qui sont censées être prises en charge, il faut une pression énorme. Rien que pour les léopards à prime, Serré n'a pas de place. Est en train. Et plutôt désigné. Alors, je pense aujourd'hui que on doit outrepasser sa petite personne. Chaque fois que je viens sur ce plateau, je le dis, on doit outrepasser sa petite personne, savoir se sublimer, passer au-dessus de tout. À chaque fois, je reprends, il faut à chaque fois, avant de prendre une décision, se poser la question, qu'est-ce que je lègue comme héritage à ma progéniture, à mon sang? Je ne parle pas des bâtiments, ça c'est des avoirs privés. Je parle de l'idéologie, de votre passage à la tête de tel ou tel autre ministère. Sans vouloir faire des louanges, j'aimerais parler du grand ami de Eddy Kankou, Kambayi, qui, aujourd'hui sénateur, en son temps, il y a eu tel ou tel autre résultat, il peut se bomber le torse d'avoir fait quelque chose. Constant Obari, à la tête de la FECOFA, a gagné avec les Léopards à prime le premier chêne. Bon, il peut se bomber le torse d'avoir fait quelque chose. Est-ce que demain, des années plus tard, on dira que la RDC a manqué le coche parce que la tête de X sera indexée et que c'est ce X-là qui a poussé l'État dans le précipice? Regardez, aujourd'hui encore, quand on parle des moyens, il y a le basketball 3-3 qui doit jouer l'Africa Cup, la compétition africaine de basketteurs des 3 contre 3. Au moment où je vous parle, les informations en ma possession, c'est qu'il n'y a pas encore d'encaissement. Il n'y a pas encore d'argent. Le tournoi commence le 4 décembre, je pense, du 28 au 4 décembre, si je ne me trompe. La République démocratique du Congo arrive avec un statut de favori parce qu'étant finaliste dans les deux versions, chez les seniors, finaliste chez les juniors. Et au lieu de capitaliser les habitudes comme ça,
pour aujourd'hui aller représenter l'équipe, le drapeau congolais aux JO, ou encore en commençant par les Jeux africains, si jamais on arrivait à les organiser, ou même si ça allait ailleurs. Ouais. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'engrenage bloque quelque part. Est-ce interpersonnel? Est-ce que ça va d'un individu à un autre? Les questions qu'il faut poser sont nombreuses. Mais que faire exactement pour mettre fin à... Mais parce que s'il y a un problème, il faut changer les têtes. Pourquoi il faut se poser une question? S'il y a quelqu'un qui manifestement bloque les choses, il faut changer les têtes. Et ça se voit et ça se manifeste. On va, garder les choses. D'une personne qui bloque l'avancement du sport. Qui ne veut pas que le sport puisse... Monsieur Nicolas Kazay. Eh bien, c'est monsieur le ministre des Finances qui bloque volontairement. Je vous dis que les états généraux ont été renvoyés à une date parce que les deux questions... Lesquels états généraux étaient le vœu du président de la République. De la République. Merci beaucoup, mais et qui a retardé même la venue du ministre des Sports sur le sang parce qu'il n'y avait pas encore d'assurance sur le moyen. En 10 secondes, avant qu'on ne bouge plus le sujet... Tu restes quand même une compagnie. Mais en 10 secondes, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces championnats d'Afrique de nations, Algérie 2022, dont la phase finale se jouera bien sûr en 2023. J'ai des Luis Coupa sur terrain. Et nous avons une préparation en vue. Mais c'est Nicolas Kazadi va bloquer encore pour que l'équipe n'aille pas en préparation. Non, on espère qu'il ne va pas bloquer cette fois-ci. Il est le tout. Non, mais est-ce qu'il est sûr en exigeant. S'il peut bloquer en exigeant que les athlètes... président de la République. Qui est ministre pour faire personne, Nicolas Kazadi? La question que je me posais, c'est en exigeant. Il faut maintenant que la population se. C'est soulevé pour parler la route. Bah oui, mais les sportifs initiés. Parce qu'il peut bouder un dossier venant du président de la République. C'est très compliqué. Le président initie les états généraux. Moi, je suis en train plutôt de me poser des questions sur l'aspect matérialisation des choses. Très vite, alors. Il va falloir aujourd'hui que les athlètes aient des comptes bancaires pour recevoir de l'argent. Je loue l'initiative. C'est bien l'argent. Non, c'est une mauvaise idée. Permettez. Je loue l'idée que les athlètes sont remis dans leurs droits tels qu'ils le font. Tant mieux. Qui paye l'ouverture des comptes? Voilà. C'est l'équipe nationale qui les sélectionne? C'est le club qui ne paye pas ses athlètes? Parce que on va pas se leurrer. Il y a des jeunes qui jouent au football, dont l'espoir d'intégrer Vita, Lupopo, Imana, Mazembe, pour mériter d'avoir un salaire digne de ce nom. Ils ont des primes de 30-40 dollars par match. C'est déjà des efforts énormes, des sacrifices que font les dirigeants des clubs. Que je loue aujourd'hui parce que sans eux, ces gens n'allaient pas se bomber le torse de dire la RDC. Mais aujourd'hui, quand on exige, par exemple, qu'il y ait, je suis d'accord que l'on suive un système. Ouais. Ça, je suis très d'accord que tout le monde se retrouve, les athlètes en premier, parce que c'est eux qui sont généralement sacrifiés. Mais comment on fait pour produire pour sortir le compte bancaire? Alors, j'ai des muscles coupables. Je voudrais qu'on parle un peu terrain après l'annulation de deux stages. Turquie et Congo-Brazzaville, est-ce que Otis Ngoma pourrait encore penser à un petit stage avant le Chan, même au mois de décembre, le 25, jusqu'à ça peut faire quelque chose. Normalement, avant la phase finale, l'équipe doit aller en préparation, puisque c'est vrai, ils jouent le championnat dans leurs clubs respectifs, ils font des performances, mais la cohésion, ça se trouve toujours lorsqu'ils jouent ensemble. Et je pense que M. Nicolas Kazadi, cette fois-ci, ne va pas bloquer quand même la préparation avant la phase finale du Chan. S'il n'est pas au courant, s'il ne connaît pas comment le sport fonctionne, il devrait quand même au moins apprendre auprès de ses conseillers. Je suppose qu'il a des conseillers autour de lui. Quand même, ils doivent le faire comprendre qu'à un moment donné, avant la phase finale, bien avant une compétition, il faut décaisser l'argent à temps. Et je pense qu'en ce moment, il doit faire ça. Puisque, même en fin décembre, parce que la compétition débute le 13 janvier, en fin décembre ou début janvier, donc il doit forcément avoir peut-être un stage d'une semaine à la limite pour finir tout ça. Et puis, se mettre en confiance d'abord, avoir l'état d'esprit, un mental aussi cohérent, avoir des discours, se parler, se mettre en place déjà des objectifs qui doivent s'assigner pour cette phase finale. Et je pense que Otis Ngoma a une très bonne équipe, s'il faut parler quasiment terrain. On a une très bonne équipe, on a vu comment ils jouent dans leur club respectif. On a éliminé le Tchad qui n'est pas une grande nation, oui, mais quand même la qualité, surtout au milieu de terrain. C'est pour une des rares fois je vois une équipe nationale locale avec vraiment un milieu garni. Lorsqu'on voit Mukoko Tonombe chez Mazembe qui joue très bien quasiment. On voit des joueurs. En 2016 aussi, on avait ces terrains de terrain aussi. En 2016 avec les Perles et les autres. En 2016, oui, mais on a découvert ces joueurs-là. Il y a eu Lungonga Sanya dans ce milieu de terrain. Allez, merci beaucoup, monsieur. On va passer déjà à la dernière thématique de l'émission, puisqu'on court derrière les temps. Il est temps qu'on va parler, bien sûr, du Daring Club Motema Pembe. Le Daring Club Motema Pembe qui a limogé le mercredi, mardi, mercredi, son.
son entraîneur. Il s'agit de Monsieur Barthélémy Ngatsono, en fait, qui a fait, on va dire, une campagne africaine jusque-là pas mal, puisqu'il a qualifié l'équipe à la phase des poules. Guy Boukassa arrive. Pour quel objectif, Fédic en Kokadima? Bon, avant de parler Guy Boukassa, je vais parler d'Eric Lemoutemapembe. DSMP a des problèmes en interne. DSMP a des problèmes en interne. Qui, n'importe quel entraîneur, même si c'est Mourinho, qui viendra, aura du mal à s'en sortir. Celui qui est parti n'était pas mauvais en Coupe d'Afrique. Il a qualifié. Ouais. Une équipe comme Motemapembe, où vous avez des problèmes du matin au soir. Je prends les cas. Écoutez les cas qui gangrènent dans Motemapembe. Il y a une situation aujourd'hui dans DSMP où les Imaniens m'ont écrit. Parce que sur ma page, j'ai plus des abonnés, ouais, les gens veulent que je puisse écrire. Ouais. Ils m'ont envoyé des audios. La situation aujourd'hui, avant le derby des l'équipe aurait, j'ai dit bien, aurait manqué à manger. Un major influent dans Motemapembe a sorti de sa poche pour aider l'équipe à avoir un peu à manger. Cette situation est arrivée entre les oreilles du président qui, je ne sais pas, était démissionnaire ce jour-là. Le président Paul Kassembele n'avait pas donné à manger aux joueurs. Ils avaient un problème d'hôtel. Un major influent de l'équipe donne, on rapporte au président qu'Azoni n'a pas la place Nayo, Benganaye. Vous comprenez le problème qui DSMP fait face aujourd'hui. Soit c'est le conseil d'administration qui est divisé, trois personnes sont pour Kassembele, quatre personnes sont contre Kassembele. Et vous voulez que dans une équipe comme ça, un entraîneur vienne entraîner et avoir des résultats. Le problème est d'abord interne. On doit résoudre. Les gens pensent qu'il n'y a pas de crise dans Motemapembe. Il y a crise. Il y a des crises visibles et des crises invisibles. Je suis de l'Université pédagogique nationale. Monsieur le chef de département, Philo Kongolombi Kisisi Kimbota. Il y a Philo. Il y a Philo. Salut en passant. Il est expert en communication de crise. Ouais. J'ai ses ouvrages. Toute entreprise, toute structure peut être exposée à une crise. C'est naturel. Ouais. Ce qui importe, c'est la manière, les méthodes que vous apportez pour résoudre la crise. Mais dès simple, il y a une crise. Tout le monde sait qu'il y a une crise. Mais on ne s'approche pas pour résoudre, on laisse un camp, parce qu'ils sont divisés. Et le problème, c'est ça. Et on s'accuse. Les X accusent les Y accusent les X. Et le président, dans son trône, ne veut pas comprendre quel est le vrai problème. Les jeux de DSMP, il y a des problèmes de transfert, des contrats, des salaires. Ajoutez aussi les problèmes de la FIFA, les sanctions FIFA, c'est... Parce qu'aujourd'hui, si on a, je ne sais pas si on a... Si, à ces deux jours, on a payé les joueurs, je ne sais pas. Ouais. Les uns sont un mois, les autres à deux mois. Et tout ça, c'est l'entraîneur. Si on voit le travail fait par l'entraîneur, si l'entraîneur n'avait pas de niveau, qui l'avait engagé? Mais je prends un jeu de lui. Jusqu'au comme à ce niveau. Je termine avec le cas des Boukassa. Vous étiez en train de parler de la crise. Oui, mais j'ai dit, il y a deux problèmes dans Motemapembe. Le tout premier problème, c'est interne. On s'accuse et on ne sait pas s'assumer. Il y a des problèmes de transfert, de paiement et autres que Kassembele doit régler en tant que président de coordination. Mais aussi, les administrateurs ont une responsabilité dans DSMP. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, ce sont les administrateurs qui parlent de même méthode. Aujourd'hui, les 100 000 dollars que Kassembele a donné aux administrateurs, c'est où? Chez qui? Dans quelle banque? Parce que Paul Kassembele a acheté ce poste-là à 100 000 dollars qu'il a remis aux administrateurs. Qui garde cet argent? Parce que les administrateurs sont divisés. Je suis allé voir un administrateur qui me dit « Nayebi mbongo wanate, na monangote, tout n'est pas un an na banque à c'était. Il faut déjà se construire. C'était en quel... Cet argent cadré avec quoi? Était-ce pour postuler? Pour le poste la caution, du président? La caution. Après, il fallait quoi? Il récupérerait l'argent ou elle resterait dans le club? D'après l'information, les administrateurs disaient que cet argent pouvait servir à acheter un terrain pour Motemapembe. Donc un patrimoine, tout celui qui arrive, doit laisser la caution. Mais ils ont aujourd'hui un siège. Ils ont un siège. C'est les administrateurs et le comité, c'est deux choses. Je ne pense pas que Kassembele a retiré encore cet argent pour payer les sièges. Les sièges font partie du fonctionnement du président. Après, c'était sa promesse. Mais oui, mais la promesse, cet argent servit à quoi? Parce que cet argent divise déjà les gens. Et les uns qui n'ont pas vu, les autres disent. Eddie, merci, je voudrais qu'on revienne. Je voudrais qu'on revienne sur le terrain. On a vu Barthélémy Ngatsono faire, on va dire, une campagne pas mal, puisqu'il a qualifié l'équipe à la phase des poules.
Soudan, le monsieur plie bagage, puisque comme quoi il n'est pas performant en championnat. Pour vous, la décision de limoger le staff Barthélémy Ngatsono était la bonne? Déjà, je dirais non, parce qu'il ne fallait pas limoger forcément l'entraîneur et son staff, puisque au-delà de tout ce qu'ils traversent en championnat national, c'est vrai, ils n'ont pas encore gagné. Ils ont perdu, ils ont fait que deux matchs nuls. Et quand même, aux interclubs de la CAF, ils ont quand même performé jusqu'à se qualifier en phase de groupe. C'est quand même quelque chose, un point positif pour le staff technique. Après, est-ce que la responsabilité, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des fêtes où il y a crise, où il y a tout ce qui se passe autour de DSMP, c'est la faute au staff technique? Je me demande la question, parce que je dis non. Parce que forcément, Guy Boukassa, même si c'est lié aujourd'hui, même si on prenait Mourinho, comme Edikan le disait tantôt, personne, aucun coach, aucun entraîneur viendra terminer les problèmes de DSMP. DSMP, c'est depuis 2018, la dernière année où ils ont gagné la Lina Foot, jusqu'à présent, qu'il y a des problèmes et des problèmes. Chaque année, depuis des années. À Mossoumbawe est passé, il y a eu l'autre, Vidier Chimanga. Non, Chimanga, c'était. Non, les messieurs là, le blanc, les Libanais. Hassan. Beaucoup de gens. Hassan, je vais pas procuration. Il se réclame, Imanien, on est Imanien, Ngobila aussi, à travers, il est passé par là. Tous sont passés par là. Toujours par procuration, etc. Aujourd'hui, il y a Kassembele qui est là, qui est venu comment? Ces 100 000 dollars sont où? On ne le sait pas. Un club a problème, toujours il y a toujours des administratifs qui ne se comprennent pas, il y a le comité, je ne sais pas, qui a toujours des problèmes, qui ne termine pas son mandat, et l'autre, lorsqu'il se rend éjecté, il entre dans l'opposition. Finalement, un club, on ne comprend pas comment ça se gère, finalement, cette équipe de DSMP. C'est très compliqué, mais Christophe, c'est quand même triste, même si aujourd'hui, Boukassa est arrivé avec tout ce qu'il y a comme français, parce qu'il parle bien. Écoute, ça n'a pas le poids de monter ma question. Non, ça c'est un autre débat. L'analyse de Gédenis, lui, il se coupe pour me faire rire un peu, mais je lui dis, Ngatsono s'en va, on ne peut pas rester pleurnichant. Il faut faire avec Guy Boukassa, mais est-ce qu'il a le profil? Il n'a pas le profil. Si je dois répondre sur cette question, permettez-moi, je me pose une question. Est-ce que Moutema Pembe va s'enliser encore dans une autre crise? Ngatsono part, ça reste un limogeage. Quelles ont été les clauses de son contrat? Est-il en droit d'attaquer le Daring Club Moutema Pembe pour licenciement abusif? Reste à savoir. J'espère que non. Après, aujourd'hui, il y a Lukaku qui est venu pour faire un travail. Quel est le travail qu'a fait Lukaku à ce jour pour que Moutema Pembe ait les pépites attendues? Jusque-là, je n'en vois pas. Après, quand je regarde le Daring Club Moutema Pembe, Eddy Kankou l'a dit, il va falloir alors être honnête et changer de slogan. Le Daring uni est imbattable. C'est à l'unisson que le pauvre major, souffrant de voir son équipe ne pas manger, aller jouer, met la main en poche pour épauler nullement le besoin de faire une campagne. Quelqu'un qui n'a jamais déclaré l'envie de prendre le Daring Club Moutema Pembe, quelqu'un qui n'a jamais voulu s'en prendre à Paul Kassembele, il vient sauver une petite situation. Après, s'il faut ramener les tracts de sa farine de maïs, parce que c'est la nourriture de base en République démocratique du Congo, vous ramènerez, mais lui, il aura ramené ces 200 qui ont permis aux joueurs d'aller affronter l'adversaire. Ça reste un match contre l'association sportive Victoria Club. C'est l'éternel rival de cette équipe avant d'aller voir Mazembe, d'aller voir Lupopo, d'aller voir d'autres. C'est d'abord l'adversaire en face, c'est l'association sportive Victoria Club. Aujourd'hui, si crise il y a au sein du Daring Club Moutema Pembe, si aujourd'hui les uns se réclament, ne pas voir, certains ont vu de l'argent ou pas, moi je l'ai dit toujours, je l'avais dit avec Arlette Boutella sur ce plateau, le problème réside sur le fait que dans nos équipes, il y a des faiseurs de rois. GD, je te fais sauter. Kankou, je vais faire sauter GD. C'est toi que j'amène et je vais mettre à la place. C'est déjà là tout le problème. Quand M. Kassembele est arrivé, j'ai posé cette question. Quel a été le projet? Quel a été le plan? Sur quoi est-ce que les Imaniens ont voté la personne? Son projet devait être dévoilé, je crois. Non, mais c'est lui à la tête de Moutema Pembe sans projet. Alors, vous comprenez? Et il a dit qu'il allait revenir pour donner son projet. Alors vous comprenez que c'est un faux fouillant. Ça veut dire que le licenciement de Ngatsono reste un faux fouillant. Si aujourd'hui, le gros problème, déjà en général, ça reste les moyens. Le gros problème, ça reste les moyens. Et Moutema Pembe aujourd'hui, c'est un grand club. La même question, alors, je la pose. Vous parlez de Guy Boukassa quand vous parlez. Personnellement, je pense que c'est un garçon bien. Quand j'ai dit un garçon bien, je pense que la dernière équipe de Dauphin Noir que j'ai vue au top,
au top. Ça veut dire j'ai vu cette équipe aller malmener Mazembe au stade Kamalundo à Lubumbashi. Je me rappelle, j'étais directeur de communication de Mazembe à cette époque-là. Je crois que Mazembe l'avait gagné par 1 ou 2-0 en toute fin de partie. J'ai vu cette équipe sacrement secouer les grands. Je crois que Guy Boukassa, avec les moyens minimes, a réussi à faire. Je dis minime par rapport au budget de Dauphin Noir. Je n'humilie personne qui dirige cette équipe, mais on sait que Dauphin Noir, ce n'est pas un des gros budgets du championnat de la République démocratique du Congo. Après, quand il arrive au sein d'un club de l'APB, c'est un tout autre prestige. C'est un autre niveau d'exigence. C'est une autre façon de voir. Si Dauphin jouait pour le ventre mou du classement, Monté APB devrait jouer pour le top. Monté APB devrait jouer pour revenir. Mais c'est un entraîneur qui a une implication, un impact sur certains jeunes joueurs qu'il a eu entre les mains. J'ai eu à discuter avec des joueurs qu'il a dirigés à l'équipe nationale qui disent que ça reste quand même un garçon, un monsieur. Un garçon, c'est une façon de parler. Je prends avant de finir avec Eddy Kanku. Le monsieur a un profil convaincant, Guy Boukassa. Après, s'il faut regarder son parcours, il est passé par le Rwanda, il a été chez Nuki, il était chez Dauphin Noir, maintenant chez DSMP. Est-ce qu'il va apporter quelque chose à l'équipe vert et blanc de Kinshasa? Oui, il va apporter quelque chose, je vais m'expliquer. Mais déjà, pour commencer, il faut informer à nos téléspectateurs qu'il n'y a, ouais, c'est encore rien d'officiel entre Boukassa et DSMP. Jusque là, ils sont encore en pour parler, mais ça n'avance quasiment pas du tout. Puisque l'entraîneur n'est pas à Kinshasa, il est, je crois... Il devait venir le jeudi dernier. Il devait arriver, mais avant qu'il arrive, il exige d'abord une copie de contrat. Parce qu'il veut voir clair sur le contrat. Parce qu'on sait, puisqu'il se passe autour des DCMP, aujourd'hui, s'il y a un entraîneur, demain, il limoge quasiment l'entraîneur comme ça. Lui, c'est l'école de Jean-Florent Ibeng, Guy Boukassa. Donc, ce sont des rares entraîneurs qui ont quand même une tête bien faite, qui ne cherchent toujours vraiment pas de problème, qui sont corrects, bien logiques, qui veulent vraiment voir clair avec des Eric Tshibas et les autres. C'est la même école quasiment. Donc c'est un monsieur qui sait se respecter, qui sait faire son travail. Si vous parlez de lui techniquement, je pense qu'il peut apporter quelque chose au dernier club Motema Pembe, parce que c'est un leader. Il sait parler, il sait transmettre son savoir aux joueurs. Et on l'a vu avec le Feu Noir, Chitamba le disait tantôt, avec Nuki, il était en tout cas deux doigts d'entrer même dans la phase de groupe avec aux interclubs de la CAF. Il a fait ses preuves aux côtés de Christian Tsengibembe en équipe nationale première. Avec, il a travaillé avec Miyayo, jusque-là il est d'ailleurs sélectionneur adjoint de l'équipe du CHAN. Je pense qu'il a le profil, il a l'aura, il peut aussi changer des choses. Après, il y a les DCMP à problème et Guy Boukassa qui est un garçon, un monsieur sérieux. Donc est-ce que ça sera compatible entre le monsieur sérieux et l'équipe à problème? C'est là où ça peut poser problème. Non, mais après, pour son image, il est d'une équipe qui est qualifiée en compétition africaine avec le club. À la prochaine phase, il a 6 matchs six matchs à pour jouer, faire valoir à sa personne. Voilà, je pense que si ça ne dépendait que de moi, il devrait signer avec le Direct Club Montaigne. Mais a-t-il les épaules? Je suppose, je crois, en ayant vu ce qu'il a fait, que oui, mais maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne reste pas sur l'entraîneur seulement. Ça ne reste pas sur l'entraîneur, le résultat de l'équipe. C'est beaucoup de choses, c'est toute une synergie. Mm-hmm. Et c'est là le problème. Ouais. Cette synergie n'y est pas. On va en dents de scie et on se vole la face du côté de Motema Pembe. Je le disais encore, est-ce que Paul Kassembele a les épaules pour prendre le dernier club Motema Pembe? J'ai vu lors des élections, j'étais malheureusement pas là, mais j'ai vu dans des images des têtes bien connues du dernier club Motema Pembe qui étaient là. J'ai vu dans les images à Amos Mbayo, si je ne me trompe, certaines personnes qui ont travaillé avec Vidier Chimanga qui étaient là. Mais au fond, je pense très sincèrement, le dernier club Motema Pembe devrait changer de fusil d'épaule. Quand on quitte le pouvoir, on finit avec ce sujet sur Guy Boukassa. Le monsieur a un profil convaincant, pouvant aider les derniers clubs Motema Pembe, puisque l'objectif cette fois-ci, c'est pas seulement de jouer la phase de poule, mais franchir aussi le quart de finale. Je ne doute pas de ses capacités, de Guy Boukassa, qui est un entraîneur congolais. Qui a fait ses preuves, les amis venaient de le dire tout à l'heure, mais il n'a pas le poids de Motema Pembe. Il faut être franc, moi je le dis comme ça, il n'a ni le poids de Motema Pembe et il ne saura pas gérer les problèmes de Motema Pembe. Expliquez-vous le poids, quand vous parlez du poids, le vous savez poids, c'est une équipe, ce n'est pas seulement les dispositifs tactiques. Un entraîneur doit avoir un mental de supporter cette équipe, une équipe à pression qui a tant de problèmes comme Motema Pembe. Vous venez de le présenter comme un monsieur très logique. Un entraîneur logique n'existe pas. Un entraîneur, c'est lui qui fait face au problème. Et Boukassa n'a pas cette tête-là. Ce sont des lunettes, ce sont des Français, c'est A plus B égale A. Or, c'est une prédécesse, c'est une équipe à problème. Vous pouvez jouer affamé, les cas de la rencontre face à l'Esvice Club,
Ça s'est dit, les joueurs n'avaient pas à manger. Ça, ce sont donc, des cas isolés. Non, ce sont des cas isolés. Dans DSMP, il y a un problème de moyens. Aujourd'hui, il y a un problème de moyens. Donc, quand Bukasa prend DSMP, voilà, le nom du major est revenu. Il s'appelle Papi Mamboleo. Voilà. C'est lui qui est allé donner à manger aux joueurs. Il s'appelle Papi Mamboleo. Dans DSMP, il se pose un sérieux problème de moyens. Qu'est-ce que les administrateurs font? Quand Chimanga est arrivé, il leur a donné un peu d'argent. Et je voudrais que vous puissiez parler de Guy Bukasa. C'est le système, qui va mettre Bukasa mal à l'aise. Ils sont qualifiés en phase de groupe, ils auront sûrement la cagnotte. Ah voilà, donc vous gérez l'équipe avec l'argent de l'État congolais et la cagnotte venant de la CAF. Donc si cet argent se termine, l'équipe, Bukasa ne sera pas la pression qui existe à Motema Pembe. Chaque dirigeant a son joueur, il faut une pression et nous n'avons pas la tête à ça. DSMP, c'est une pression du matin au soir. Un classement ne sort pas seulement de l'entraîneur. Et je ne le vois pas maintenir cette pression et arriver avec l'équipe à la fin. Il devrait grandir un tout petit peu. Après, Flofenoir, aller chez Don Bosco, gravir des échelons, aller chez les kamikazes, enfin, venir. Vous lui demandez de passer toute une vie avant Il est déjà. En tout cas, moi, je pense ce n'est pas par rapport à son profil, par rapport à son diplôme, mais par rapport à la pratique. Bukasa ne saura pas maintenir la pression du désordre qui existe dans un DSMP et la pression que l'équipe de DSMP et il n'a pas les épaules pour porter des DSMP. Je pose une question. Une question directe. Avant que Ibenge ne vienne dans votre club, il avait quel profil? Ibenge n'a pas le même profil que... C'était un inconnu. Il a trouvé un bien intermédiaire. Il a fait son stable. Ibenge a des qualités que Bukasa n'a pas. Peut-être que Bukasa en a plus. Ibenge a des qualités que Bukasa n'a pas. Peut-être que Bukasa en a plus. Les qualités, s'il vous plaît. Qui s'est parlé... Les qualités qu'on a découvertes. Le cas. Ibenge s'est parlé aux supporters de Vita pendant 3 heures du temps. C'est pas là où les dirigeants de Vita ont échoué. Merci. Ibenge a calmé les supporters. C'est pas le rôle d'un entraîneur. C'est justement d'abord jouer avec le moral. Justement, cet amalgame de communication. Bukasa ne viendra pas faire sur le travail. Mais il y a une équipe à pression. Il y a une direction de communication qui doit communiquer. Il est mieux à maîtriser ça. On doit jouer avec Bukasa. L'équipe doit communiquer. L'équipe doit devenir professionnelle d'abord. L'équipe n'a pas les ambitions de devenir professionnelle parce que vous venez de dire tout à l'heure. Merci beaucoup, Edith. C'est le manager qu'on avait amené, Lukaku. Merci beaucoup. Il est en train de pleurer. Je vous retire la parole, Kankou. L'émission est terminée. Ça, on est d'accord. Je sais que c'est une équipe à problème. Voilà. Merci beaucoup, Edith Kankou Kadima. Merci beaucoup, Christopher Chitama. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Faites voyager les 3 contre 3. Donnez de l'argent aux handballeuses, s'il vous plaît. Ouais, le message, je pense que M. Nicolas Kazadi. C'est mal à chaque fois de venir pleurer ici pour des gens. Il a suivi cette émission. Et il va très bien se comporter envers les sportifs. Alors vous allez comprendre que nos problèmes, en fait, nos équipes congolaises ont des sérieux problèmes. Raison pour laquelle les différents derbys de la capitale n'ont pas vraiment de saveur. On espère que si tous ces problèmes sont résolus, le football congolais en général ira très loin, puisqu'on dit toujours que DCMP uni est fort et imbattable. Et c'est sur cette note que nous jetons en tout cas l'encre de cette émission au cœur du sport. Merci à vous d'avoir été avec nous depuis les débuts jusqu'à présent. Vous allez retrouver la semaine prochaine Arlette Boutella. On espère qu'elle sera avec nous. Merci à vous messieurs. Merci à celui qui a été à la régie finale, Jocelyn Toumba, derrière toutes les caméras, Dadi Maccabi, à la prise de son, Apollinaire Manda. Moi, je vous retrouve déjà le lundi matin pour parler bien sûr sport avec Fabien Lumbala. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.